La reine a fait un voyage pour voir certains des membres de sa famille les plus proches dimanche, alors que son rétablissement de Covid se poursuit. La femme de 95 ans a visité Frogmore sur son domaine de Windsor pour voir des membres plus jeunes de la famille pour la première fois depuis qu'elle a reçu un diagnostic de Covid il y a un peu plus d'une semaine. Parmi les personnes présentes figuraient la princesse Béatrice et sa petite-fille Sienna et la duchesse de Cambridge et ses trois enfants. On dit que la reine fait une bonne récupération du virus, après une flambée de cas à Windsor. Kate et William peuvent toujours compter sur un membre du personnel très fidèle. Le prince William et Kate Middleton peuvent toujours compter sur un membre du personnel très fidèle, selon un expert royal. Jenny Bond a déclaré que le couple royal savait que leurs trois enfants étaient entre deux mains sûres avec la nounou du Norland Maria Teresa Turion Borallo. Madame Bond a fait ses commentaires après que William et Kate ont emmené Prince George à Twickenham ce week-end, mais ont laissé leurs deux plus jeunes enfants à la maison. Elle a déclaré, ils ont bien sûr cette nounou très fidèle et loyale qu'ils ont depuis des années et je pense donc qu'ils savent que les enfants sont toujours entre de bonnes mains. Mais les Middleton sont aussi très, très proches d'eux, donc je suis sûre qu'ils interviennent et font du babysitting de temps en temps. Le doux voyage secret de la reine pour voir sa famille exposée. Se remet bien. La reine a fait un voyage pour voir certains des membres de sa famille les plus proches dimanche, alors que son rétablissement de Covid se poursuit. La femme de 95 ans a visité Frogmore sur son domaine de Windsor pour voir des membres plus jeunes de la famille pour la première fois depuis qu'elle a reçu un diagnostic de Covid il y a un peu plus d'une semaine. Parmi les personnes présentes figuraient la princesse Béatrice et sa petite-fille Sienna et la duchesse de Cambridge et ses trois enfants. On dit que la reine fait une bonne récupération du virus, après une flambée de cas à Windsor.